Bien, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal tenue à la salle d'hôtel de ville. On est lundi le 2 mars 2015, il est 20h. Ça me prendra un proposeur pour l'ouverture de la séance. Monsieur O'Connor, un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour incluant les trois points aux affaires nouvelles. Madame Mathurin propose, ça va pour tout le monde? Un proposeur maintenant pour l'adoption des procès-verbaux des séances précédentes. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? Merci. Ça nous amène au point 4A, rapport du maire et point d'information au conseil. Écoutez, je vais être assez bref ce soir. D'abord, évidemment, souligner le gros hiver qu'on a, les grosses tempêtes, les opérations de déneigement sont difficiles. On reçoit des plaintes, fait que le ministère des Transports reçoit des plaintes aussi. Évidemment, beaucoup de neige entraîne son lot de difficultés, mais honnêtement, on réussit à s'en sortir tant bien que mal. Puis quand on se compare avec les opérations de déneigement à Québec par Montréal, on est quand même pas pire. Un 50 cm ramassant 48 heures, on a quand même pas mal de bon sens. Quand on se compare, on se console, comme on dit, mais on comprend qu'on peut toujours tenter de faire mieux, mais honnêtement, on fait tout ce qu'on peut avec les moyens qu'on a pour assurer le meilleur service possible à la population. Et en même temps, tant qu'à parler d'hiver et de neige, aussi bien inviter les citoyens à profiter de l'hiver, à profiter des nombreuses activités hivernales qui sont offertes là, au centre de ski, dans les deux arénas, à la patinoire. Puis c'est la semaine de relâche aussi, donc pour les jeunes, les familles, il y a une belle programmation d'activités qui sont offertes, donc aussi bien en profiter. En tout cas, on vous le suggère fortement. Écoutez, sur des notes un peu plus, sur les dossiers un peu plus sérieux, si on veut. Ce matin, j'ai une rencontre avec les ministres Jean Damour et Robert Poletti, ministre des Transports, sur le dossier du chemin de fer. Les efforts de derniers mois ont porté fruit. En fait, le ministère des Transports, ça a été annoncé là, cet après-midi même, le ministère des Transports a décidé de prendre la propriété du chemin de fer. Honnêtement, c'est pas un scénario qui avait été envisagé au départ. C'est quand même une surprise ça a été pour nous autres. Là. Moi, je suis administrateur de la Société du chemin de fer, puis ça a été une belle surprise ce matin de voir que le ministère des Transports, au lieu de juste être une espèce de gardien au-dessus de la mêlée, a décidé de prendre la possession puis d'acquérir le chemin de fer. Il a fait à peu près la même chose aussi au niveau du centre du Québec. Là, il y a le chemin de fer Québec central. Lui a fait la même opération aussi il y a quelques années. Donc, le MTQ, en faisant ça, bien, il s'engage aussi en même temps à faire des investissements pour la mise à niveau des tronçons qui sont utilisés. C'est-à-dire le secteur de Matapédia à Caplan, qui est utilisé par des privés. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour eux. Mais une bonne nouvelle pour nous aussi, c'est que le secteur de Lance à Beaufils à Gaspé, où circule le train touristique, vient également d'être sauvé. Le tronçon entre Lance à Beaufils et Caplan est mis en dormance jusqu'à temps que des investissements soient justifiés par une clientèle qui sera à développer. Puis on va devoir travailler, évidemment, à développer cette clientèle-là et développer le potentiel de cet outil de transport-là qui est notre chemin de fer. Donc, le positif dans l'annonce aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucun démantèlement du rail qui est prévu. Il y a des investissements d'infrastructures qui vont être faits au cours des cinq prochaines années. Le milieu, donc la Société de chemin de fer de la Gaspésie, va garder le contrôle des opérations. Puis, notre train touristique va être sauvé. Avec Escale Gaspésie, justement, on va travailler sur un plan de match pour rentabiliser le train touristique. Avec les chiffres qu'on a sur la table déjà, c'est clair et net, c'est certain qu'on va arriver à rentabiliser cet outil-là. Et non seulement à rentabiliser, mais à générer un peu de revenus qui vont bénéficier autant au chemin de fer qu'à notre escale de croisière. Donc, c'est un bel outil qu'on gagne à développer. Une petite parenthèse sur le dossier hydrocarbures maintenant. Écoutez, comme on le sait, là, je ne ferai pas la publicité à ce niveau-là, mais on sait que Petrolia et Ginex poursuivent leurs travaux. Ils ont annoncé des résultats il n'y a pas si longtemps que ça. De notre côté, ce qui regarde la municipalité, parce que je le répète, là, la municipalité n'a aucun espèce de contrôle, de pouvoir sur les activités pétrolières et gazières sur son territoire avec les lois actuelles, puis aucune redevance non plus, absolument rien. Donc, on n'a pas un mot à dire sur ce type de développement-là, même si on en parle assez souvent, mais le bout qui nous regarde, c'est au niveau de l'acceptabilité sociale. C'est le bout où les citoyens peuvent être concernés par ce type de développement-là. Donc, je peux vous confirmer qu'on a parlé dans les derniers mois d'un comité de suivi. Je peux vous dire qu'il est maintenant en place pour le site de Haldimand. Donc, il y a des citoyens, il y a les deux ministères concernés, l'environnement, les ressources naturelles, la ville, la MRC, le milieu de l'éducation, la Chambre de commerce et de tourisme font partie du comité. Et l'objectif, c'est vraiment, en toute transparence, de partager de l'information, que l'industrie, que les ministères partagent l'information avec les citoyens, avec tous les partenaires qui gravitent autour de ce développement-là. Et le but du comité de suivi, c'est pas un comité décisionnel, c'est un comité qui est là pour recevoir et pour poser des questions puis recevoir de l'information aussi. Dans le fond, c'est un canal de communication pour les citoyens puis pour les partenaires intéressés par ce développement-là.
Du côté de l'éolien, écoutez, on continue de travailler étroitement avec les gens de notre usine de Pâle pour assurer la pérennité de l'usine. C'est pas évident ces temps-ci, honnêtement, mais je suis confiant qu'avec la haute direction de LM au Danemark, avec la direction locale de LM aussi, on va être capable de trouver des marchés pour nos Pâles, puis pour que nos travailleurs continuent de travailler chez nous aussi. Puis ça, jusqu'à ce que le gouvernement confirme sa prochaine politique énergétique. Là, c'est, ils travaillent là-dessus, on devrait avoir des nouvelles d'ici la fin de l'année là-dessus. Ça va nous donner un alignement pour le marché intérieur du Québec. Par contre, on peut continuer de travailler sur le marché extérieur pour faire de l'exportation de nos produits manufacturés ici. Également, dans le dossier éolien, les trois villes qui sont des pôles éoliens de l'Est du Québec au niveau manufacturier, je parle de Matane, de New Richmond puis de Gaspé, et on travaille main dans la main pour le développement de cette filière-là. Habituellement, normalement, les villes comme nous autres, on devrait être des compétiteurs. On devrait aller s'arracher les promoteurs, on devrait aller s'arracher les manufacturiers puis se battre pour les avoir. Sauf qu'au-delà de ça, on a des atomes crochus, puis on mise sur les atomes crochus, on mise sur ce qui nous unit pour qu'on soit des partenaires au lieu d'être des compétiteurs. Évidemment, s'il débarque un promoteur qui hésite à s'installer entre New Richmond, Matane puis Gaspé, c'est clair qu'on va dévoiler nos chambres, c'est clair qu'on va l'attirer chez nous. Cependant, pour le bénéfice de l'ensemble du dossier, on travaille main dans la main, ce qui surprend bien du monde, notamment au niveau ministériel, quand ils voient les trois maires débarquer ensemble dans le bureau de ministre, ils n'ont jamais vu ça dans ce type de dossier-là. Fait que c'est, ça démontre un message de solidarité puis d'unité vis-à-vis le développement de notre filière éolienne. Toujours dans l'éolien, le projet de plaquettes de frein B&B continue de progresser très bien en vue de l'implantation de leur nouvelle usine à Gaspé. Donc, on devrait pouvoir annoncer des bonnes nouvelles dans les prochaines semaines ou plus tard dans les prochains mois avec la création des quelques dizaines d'emplois là, que ça pourrait créer au cours des prochaines années. Puis, on est confiant qu'il y a un immense potentiel relié à cette industrie-là là, à moyen et à long terme. Donc, des bonnes nouvelles à venir dans ce dossier-là. Finalement, gros dossier que la municipalité a pris en main dans les dernières semaines. Honnêtement, on en entend parler depuis la semaine dernière davantage. C'est un dossier qui chemine depuis 3-4 ans au sein du conseil municipal. Ça fait suite à des demandes répétées de citoyens là, dans les dernières années. C'est le dossier, évidemment, on s'en parle, le dossier des bouts de fosses septiques. Dans le fond, Les citoyens, ça fait un bout de temps qu'ils nous en parlaient. Ça s'est intensifié dans les derniers mois. Monsieur Kenville en a entendu beaucoup parler, entre autres, s'est fait un gardien de ce dossier-là avec nous, puis a amené le dossier au conseil aussi. On en a discuté, je vous dirais, depuis quelques années. Puis on a décidé d'aller de l'avant d'abord avec la gestion du service. L'entente de principe là-dessus, on a dit on va gérer le service pour, dans son ensemble, faire comme 60% des municipalités du Québec le font, c'est-à-dire assurer un calendrier plus précis, puis s'assurer de prendre en charge de façon générale ce dossier-là. Par contre, l'intention initiale n'était pas de municipaliser au complet le dossier. On voulait aller en sous-traitance, pareil comme on fait avec la collecte des matières résiduelles, avec les poubelles, le recyclage. Donc, c'est la ville qui assure une certaine gestion globale. Par contre, c'est un sous-traitant qui fait la job sur le terrain. Pour arriver à cette fin-là, on est allé en appel d'offres au début de l'hiver. Il y a eu trois soumissionnaires qui ont arrivé avec un résultat, là, c'est entre 300 et 324 $ la fosse. Pour nous, c'était plus cher que ce à quoi on s'attendait quand on se compare avec ce qu'il y avait ailleurs. Notamment, on sait qu'à Matane, dans le coin de Matane, c'est autour de 200 $ la fosse, mais on est arrivé ici entre 300 et 324. Le conseil a regardé ça, on a décidé de rejeter les offres et de regarder d'autres, de calculer d'autres choses, de retourner à la planche à dessin puis trouver une autre solution. Fait qu'on s'est mis à planche à dessin avec nos experts nos experts municipaux, donc au niveau de la comptabilité, au niveau de l'expertise technique puis tout ça. Et à l'interne, peu importe les calculs qu'on faisait, on arrivait tout le temps entre 200 et 250 $ la fosse, incluant l'achat de camions, incluant l'embauche de personnel, la mise en place, la gestion d'un site de traitement, la gestion du travail qui est nécessaire autour de ça aussi, tous les autres frais afférents, l'essence, les assurances, etc. En comptant tout, mur à mur, on arrivait à entre 200 et 250, puis je vous dirais, on était plus proche du 200 que du 250 $. Mais pour les premières années, le temps de mettre le service en place et s'assurer qu'il n'arrive pas d'imprévu puis qu'on manque de sous dans la caisse, là, on a plus opté vers une vision 250, même si on sait qu'on risque plus d'être plus proche du 200 $ à la fosse. Pourquoi on arrivait à cette conclusion-là? C'est que d'abord, on poursuivait trois objectifs. Puis c'est un peu ce que les citoyens nous demandaient. D'abord, le premier objectif, c'est d'offrir le service aux citoyens au meilleur coût possible. Deuxièmement, c'est d'enlever le casse-tête aux citoyens en mettant en place un calendrier régulier de collecte. Bref, pour certaines personnes, c'est simple. Là, ils vont voir, ils ouvrent le couvert, ils regardent, c'est facile, ils voient s'ils sont dus ou pas. Mais pour bien du monde, c'est pas la job la plus agréable à faire. Puis si on dit qu'on le fait de façon régulière,
ben, il n'y a plus besoin de se préoccuper de ça. Ils savent qu'à telle date ou telle période, à chaque année, ou à chaque deux ans plutôt, ils vont arriver avec la collecte. Puis le troisième objectif, c'était de respecter les règlements provinciaux en matière de qualité de l'environnement qui obligent une vidange tous les deux ans. C'est une règle provinciale, je le sais, qui est pratique courante par chez nous ici. C'est 3, 4, 5 ans des fois. Il y en a même qui nous ont parlé de 10 ans qui ne faisaient pas les vidanges. Par contre, si le ministère de l'Environnement débarque demain matin, il y a du monde qui va se faire taper ses doigts parce que la règle provinciale, c'est aux 2 ans pour une habitation occupée à l'année. Habitation saisonnière, c'est aux 4 ans. Mais en ce qui regarde monsieur, madame, tout le monde, l'obligation provinciale est aux 2 ans. Fait qu'on n'a pas le choix de faire vidanger aux 2 ans, qu'on le veuille ou non. Fait que puis l'objectif de ça, c'est clair, c'est s'assurer que les fosses septiques fonctionnent convenablement, que ça déborde pas, que ça colmate pas, puis que le traitement soit optimal dans la fosse septique. C'est pour ça qu'il y a cette règle-là. Mais je comprends que des fois, les fosses sont trop grandes par rapport aux besoins d'une maison, mais malgré tout, la règle est aux 2 ans. Fait qu'on n'a pas le choix, quelque part, de respecter la règle comme citoyen puis comme municipalité. Fait que si on revient, là, le système complet visait trois objectifs, trois fins principales. C'était l'économie pour les citoyens, la régularité du service, puis le respect des normes environnementales du gouvernement du Québec. Fait qu'on est bien conscient que cette décision-là du Conseil va avoir des impacts pour certaines personnes, va avoir des impacts pour notre entrepreneur privé sur notre territoire, puis peut-être dans une moindre mesure pour les autres entrepreneurs privés qui venaient sur notre territoire aussi. Mais on a fait le choix en pensant d'abord à la volonté des citoyens, au bien-être des citoyens, puis à ce que les citoyens nous réclamaient comme conseil municipal. C'est là-dessus que le choix a été fait de façon principale. Et on est bien conscient qu'avec la période de rodage qui sera nécessaire pour mettre en place ce service-là, on est conscient qu'il y a une période d'adaptation qui va être nécessaire pour que ça fonctionne très bien. On est conscient des risques associés à tout ça, mais malgré tout, quand on fait le calcul global, quand on fait un scénario global, on est arrivé à cette conclusion-là au conseil. Puis on assume cette décision-là là, pleinement. Puis on souhaite évidemment que tout se fasse de façon correcte, puis de façon conforme, puis que ça se passe pour le mieux-être de l'ensemble de la population. Fait que de façon très concrète, évidemment, on ne sort pas de calendrier de collecte à soir. Là. La population va être informée au fur et à mesure de l'implantation. L'implantation du service est prévue dès 2014, dès 2015, pardon. Ça fait deux fois aujourd'hui que je dis 2014. C'est 2015, on est rendu là. Donc, dès le début de l'été, le service va être en place. À court terme, évidemment, nous autres, tout le processus d'appel d'offres pour se faire un site, le processus d'appel d'offres pour acheter des camions, tout ça. Ce qu'on fait à court terme, pour éviter qu'il y ait de zone grise, là. Une zone grise, c'est qu'on va y aller en une entente de partenariat qu'on va passer ce soir d'ailleurs avec la MRC du Rocher-Percé qui ont un site de disposition et de traitement des boues de fosses septiques. Donc, on va faire affaire avec eux pour la disposition. Puis pour la collecte comme telle, on y va en location de camions à court terme le temps qu'on puisse s'en procurer en achat. Mais tous les calculs, je le répète, tous les calculs ont été faits puis on arrive au résultat qui est celui qui vous est communiqué. Et d'ailleurs, pour tous les gens qui se poseraient des questions à la maison ou ici dans la salle, on a sorti un petit feuillet de questions-réponses là, de façon très vulgarisée, le plus simple possible, que tout le monde comprenne bien, qui est disponible sur le site web de la Ville, qui est disponible sur la page Facebook de la Ville. Et j'en profite pour rappeler qu'on est sur Facebook là, depuis quelques semaines. Et également, le petit feuillet est distribué aussi avec les comptes de taxes municipales pour que les gens voient vraiment qu'est-ce que ça implique puis qu'il y ait des réponses à leurs questions. Puis si, au-delà du site web, au-delà de la page Facebook, au-delà du feuillet explicatif qui est dans les comptes de taxes, s'il reste des questions, vous appelez à l'Hôtel de Ville, tout simplement. Il y a des gens qui vont pouvoir répondre à vos questions de façon concrète, mais je le répète, tout va se prendre place de façon progressive. Puis aussitôt que tout va être... tous les détails seront connus sur la façon concrète de procéder, évidemment, on va informer la population. Donc, ça fait le tour des points que j'avais discutés à cette étape-ci. Donc, bref, ça vous souhaiter, chers citoyens, chères citoyennes, un beau mois de mars, un beau printemps, puis une bonne semaine de relâche à nos jeunes et au personnel enseignant et personnel des écoles qui sont en semaine de relâche cette semaine. Donc, voilà. Merci de votre attention. En suivant l'ordre du jour, on arrive au point 4B maintenant, qui est l'état des revenus et dépenses. Donc, c'est pour un dépôt. Voilà, il n'y avait rien de spécial à signaler. Ça nous amène à la première période de questions du public. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec le nouveau fonctionnement de ce conseil ici, en début de séance, on passe une période de questions du public sur des questions d'ordre général. L'objectif, c'est que les gens qui venaient pour des points particuliers, bien, peuvent avoir réponse à leurs questions en début de séance. Ils ne sont pas obligés nécessairement de se taper toutes les résolutions qu'on passe après et qui peuvent souvent durer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure et qui n'est pas toujours très agréable à entendre. Fait que c'est pour ça qu'on
passe une période de questions du public au début. C'est des questions qui sont en dehors de l'ordre du jour. Et on se réserve une période de questions à la fin de l'ordre du jour sur les points qui sont traités durant la séance. Donc, présentement, c'est les questions qui ne sont pas nécessairement à l'ordre du jour. Ça, la période de questions est de... Cette période de questions-ci est d'une durée maximale de 20 minutes. Chaque intervenant doit s'identifier, comme d'habitude, et le droit de parole, on limite le droit de parole à 5 minutes maximum par personne. On n'est jamais très... On n'a jamais claqué sur les doigts de personne sur les temps de parole, mais évidemment, on essaie d'avoir un certain encadrement. Donc, la parole est à vous. Vous pouvez venir au micro pour les besoins de la télé. Il y a un micro ici. Es-tu correct? Bonjour, André Rieder. Bonjour. Je suis citoyen d'Haldeman. Les comptes de taxes, la répétition, les augmentations qu'on a tous les ans. Avez-vous des solutions sur la table pour régler ce problème-là? Pour trouver des solutions pour remplir les coffres de la municipalité, qu'on arrête de se faire d'envoyer des factures. C'est tout le temps nous autres qui est des contribuables là, qui est pris pour payer les factures. Là. Fait que, avez-vous des solutions concrètes qui va finir à un moment donné? Moi, ma maison, je l'ai depuis 90. Mon compte de taxe a doublé. Ça a triplé. Mon évaluation a triplé. Et c'est comme pas normal. Même si j'essaierais de vendre ma maison à ce que vous l'évaluez, j'y arriverai pas. OK. OK. Puis, tant qu'à faire, vous parlez tout de suite des faux sceptiques. Il y a un problème qui n'a jamais été réglé dans le domaine à ce sujet-là. Les faux sceptiques ont été supposés de contaminer. Vous parlez d'environnement. Ça n'a jamais été réglé, ça. C'est qui le coupable de ça? Je n'étais pas venu ici pour parler de ça, là, mais vu que vous en parlez, il n'y a jamais personne qui a été déclaré coupable. Puis on a toujours continué normalement à polluer parce qu'on contamine. Mais il n'y a jamais eu de coupable. J'avais essayé de dire que c'était nous, les contribuables, qui étaient en faute. Mais je venais de refaire mon champ d'épuration pour sceptique 4 mois et une semaine. Après avoir acheté en 1990, j'ai eu un champ d'épuration. Je me suis fait prendre avec un vice caché. Okay. Fait que j'ai tout fait de refaire. Puis j'ai tout fait évidiouter. C'est rien que pour vous dire ça. Puis je voudrais savoir, c'est quoi vos solutions? Parfait. Au niveau des comptes de taxes, écoutez, on a vu, en tout cas, à la présentation du budget de cette année, là, tout avant les fêtes, on l'a expliqué cette année. Là, honnêtement, on a fait des gros efforts pour ne pas arriver avec une augmentation supplémentaire. Ça a été très difficile cette année. On est arrivé avec 1,7 million à éponger sur le budget, dont 800 000 qui nous provenaient du gouvernement du Québec. Puis le reste, c'était toutes sortes d'augmentations, tous les contrats, tout augmente au fur et à mesure. Fait qu'on s'est ramassé avec 1,7 million à trouver sur un budget de 23 millions. C'est quand même une grosse galette qu'il y avait à trouver. Que les gouvernements nous ont oublié ici, les Gaspésiens. Il faut travailler pour trouver des solutions. Exact. Fait que pour trouver des solutions, quand on a annoncé le budget, ce que j'ai dit, c'est de valeur, mais moi, je n'augmenterai pas les taxes de 4 puis 5 à tous les ans pour les 4 prochaines années. Il n'y en est pas question. Pour moi, c'était clair. Fait que j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre à table avec les citoyens. C'est bien beau, nous autres, on peut bien prendre la décision finale au Conseil, mais je veux qu'on s'en parle avec les citoyens. Puis durant l'année 2015, avant d'arriver à l'exercice budgétaire qu'on doit faire pour adopter le budget 2016, on va se mettre à table avec les citoyens, on va consulter la population sur les services qu'on offre. Quels services on garde, quels services on enlève. Parce que, tu sais, moi, pour faire une image, je disais, à l'adoption du budget, je disais, on a encore besoin de garder, je pense, c'est 11 ou 12 patinoires extérieures. On a encore besoin de garder 6-7 terrains de balle. On a-tu encore besoin, justement, de garder toutes ces choses-là avec tous les frais d'entretien? Il faut se poser la question. Dans le temps de M. Pidgeon, ça allait pas mal mieux que ça. Vous devriez peut-être retourner dans les archives et regarder qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là. On avait encore une police municipale, monsieur. On avait deux policiers municipaux. Avec les nouvelles technologies, là, 3 photoradars passés un peu partout, à peu près. Deux polices municipales, 2 chars, puis rajouter quelqu'un avec M. Aupin au parcomètre. Déjà là, regardez le Mercader, quand ses parcomètres ont été boycottés, là, il est fatigué. Hein? C'est des façons d'aller chercher des revenus, ça, mon cher monsieur. Il y a toutes sortes de façons d'aller chercher des revenus. Il y a des façons de couper des dépenses. Québec, elle nous sert à quoi, à Gaspé? On a le dernier homicide qu'il y a eu ici. C'est quoi? Hein? Des graves affaires? On n'a pas besoin de ça. On est une petite ville, puis ça va être tranquille. Mais ceci dit, effectivement, non, je suis d'accord avec vous qu'on est une petite ville tranquille, puis on veut rester le plus tranquille possible.
On a beau faire les calculs qu'on voudra, on arrive toujours avec le fait, même si le tarif de la Sûreté du Québec n'arrête pas d'augmenter, on est rendu, je pense, à 1,8 million cette année, là, le service de police. Là. Quand je vous dis, des fois, il y a des dépenses qu'on ne peut pas compresser, là, ça en est une, mais on pourrait arriver avec une police municipale qui fait un fil de 40 heures semaine, mais quel service on va avoir? Après, les coffres du gouvernement qui ne veulent plus vous en donner, ça va rentrer dans les coffres de la municipalité. Ben, en tout cas, on peut bien regarder ces solutions-là. Partout ailleurs au Québec, les corps de police municipaux disparaissent. Une photo de radar dans la Côte-de-Seine, un sur le boulevard où est-ce que le berceau du Canada, puis il y a un autre sur la rue Jean-Cartier, peut-être. Je vais aller vous faire vos frais, vous allez voir. Ça peut être des solutions, mais... Ça prend pas personne pour y surveiller, ça. Ça prend un numéro de plaque, puis... Ça peut être des solutions. Ça peut être des solutions. Je vous remercie, monsieur. Exactement. C'est un... J'ai tout le temps encore? Bien, si vous voulez, je ne vais pas enlever le temps de parole. Je vais parler de l'empanache de l'autre côté de la baie. Là. Oui. C'est quoi l'idée de mettre ça en avant du berceau du Canada? Si on avait eu la latitude, on en a déjà parlé longuement, si on avait eu le choix précis d'une œuvre... Personnellement, je ne suis pas le plus grand fan, je m'y habitue. Cependant, c'est des règles imposées par le ministère de la Culture et des Communications. Il y a un comité qui est formé. Oui, la ville a un droit de parole là-dedans, mais honnêtement, c'est pas la ville qui a un droit décisionnel au final là-dessus. Puis en fait, le dossier était controversé quand c'était arrivé, parce que pour une des rares fois, sinon une des premières fois au Québec, le conseil municipal avait refusé l'œuvre au départ. Par contre, après ça, avis juridique et tout le tralala, c'est parti sur une débandade, puis on a dû se résigner, à quelque part, à accepter cette œuvre-là, même si moi, personnellement, honnêtement, je ne suis pas un grand maniaque d'art. Là. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment, je sais qu'il y a bien du monde qui ne l'aime pas aussi, mais on était à quelque part pogné un peu pour l'accepter. C'est juste la position. Il pourrait être positionné ailleurs. Comme à Wakem, dans un petit parc qu'ils ont fait pour regarder les oiseaux, dans le bout de là. On n'a pas le choix de la mettre sur ce site-là. Oui, c'est la laisser là, ça coûte trop cher. La Croix-Jean-Cartier était déplacée 4 ou 5 fois. Tu sais, c'est pas dur à déplacer, cette affaire-là. Non, on n'a pas, pas ce pouvoir-là. Si jamais vous voulez pas le déplacer, mais coupez les cornes, mettez-les saumon dans les mains et une perche dans l'autre. Ils ont été en la bouchure d'une rivière saumon. C'est la meilleure retombée économique qui nous reste à Gaspésie. Ça peut pas fonctionner comme ça, malheureusement. C'est de l'art et de l'art, c'est de l'art. Et on est un peu coincé avec des règles du ministère de la Culture, voilà. Ça rapporte pas fort. Je m'en allais dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je veux pas que je sois coincé. Je suis venu au monde à Gaspé, monsieur. J'ai passé mon enfance sur la Pointe-aux-Varans. Absolument. Je vais dire franchement, l'été, vous pourriez prendre des permis pour les amuser en public, pour que le monde arrête un peu plus. Là. On a une école de cirque. Faire ça. C'est pareil, à Québec, la citadelle, c'est plein d'amuseurs publics, ils vendent des permis. C'est toutes des choses qui font rentrer de l'argent dans les coffres de la municipalité. Ça peut être ça. Des tables pour les artisans qui veulent vendre leurs artisans à n'importe quel temps. Effectivement, pour vendre le site. Des permis. Pour le site de Berceau du Canada, effectivement, il va y avoir plus d'animation, plus de revenus cette année. La facture est refilée. Exact. Ça veut dire payer les déficits. Maintenant, il faut trouver des solutions pour. Exact. Puis, je vous remercie de vos suggestions aussi. Puis, au plaisir. Puis, s'il y a des consultations pour tout ça, j'espère qu'on va vous y voir avec vos solutions. Pas de problème. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y avait d'autres intervenants? Hop. OK, vous pouvez attendre la deuxième période de questions. Il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, n'ayant plus de période de questions à ce stade-ci, on passera au rapport des conseillers et les questions aux officiers. On ne s'était pas entendu par quel côté commencer ce soir. On va y aller par M. Smith pour commencer, si vous êtes prêt. Mesdames, messieurs, bonsoir. Alors, en plus des réunions régulières du conseil et des sessions de travail durant le mois de février, j'ai assisté à différentes rencontres et activités et j'ai rencontré également des citoyens de mon secteur. Samedi le 7, j'assistais à la cérémonie de remise officielle de la Légion d'honneur française à messieurs Harris Mullen et Émilien Dufresne, deux hommes de notre région. Je crois que c'est un beau geste de la France envers ces deux vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. Le 11, j'ai participé à une réunion du comité consultatif d'urbanisme. Le 12, j'ai eu une rencontre avec le directeur des affaires publiques et gouvernementales de la firme Petrolia, M. Jean-François Bello, et avec Marie-Claude Costicella, qui était présente également, qui est responsable des relations avec le milieu de cette même compagnie. J'ai pu discuter avec eux des travaux à venir à leur site d'Art Domain 4. J'ai pu également leur manifester de nouveau l'inquiétude de certaines personnes de notre secteur. Et également, j'ai pu leur rappeler l'importance d'être transparent dans les communications avec les citoyens. Somme toute, ce fut une belle rencontre. On a pu partager sur... ils ont pu répondre à mes questions. Ça a été quand même assez ouvert et ils ont pu répondre aux questions que j'avais sur les travaux à venir, sur les explications que je demandais.
Et on a parlé un peu aussi du comité de suivi. Comme M. le maire l'a dit, maintenant que le comité de suivi va se mettre en marche là, dans les prochaines semaines, alors j'étais bien heureux de l'apprendre. Et je pense qu'on va au moins avoir une tribune pour aller poser nos questions, pour avoir de l'information. Alors, c'est une bonne chose. Maintenant, pour terminer, comme c'est la semaine de relâche, bien, à mon tour, j'aimerais souhaiter à tous les enfants, aux parents, aux enseignants, une très belle semaine d'activité. Je tiens d'ailleurs à rappeler qu'il y a des activités un peu partout, comme par exemple au centre de ski de fond Les Étlers. Il y a eu une journée familiale samedi. Il y en aura un autre samedi qui vient. Alors, je vous invite à aller faire un tour avec les enfants là, pour en profiter. Voilà, M. le maire, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, M. Smith. M. Coton, la parole est à vous. Merci, M. le maire. Bonsoir, tout le monde. Les quelques points que je vais soulever sont particuliers à mon secteur, soit le secteur de Rivière-Nord. Premièrement, j'aimerais communiquer aux gens de mon quartier. Les gens de la rue du Parc et aussi ceux-là du boulevard Nord concernant les odeurs des goûts que vous savez qui persistent depuis quelques années. On a donné deux mandats à des firmes de plombiers. Et puis, ça n'a pas donné grand-chose. On n'a pas pu avoir d'expertise. Donc, on a décidé, le conseil et la ville, de consulter des experts et de donner un mandat, d'avoir des soumissions à une firme d'experts, d'ingénieurs, pour essayer d'avoir une expertise, pour pouvoir voir si on est capable de faire quelque chose avec ça. En tout cas, la demande est partie depuis le 25 février. Donc, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais est-ce que les soumissions sortent et tout ça, mais soyez assurés que les gens de la ville s'occupent de cette problématique-là. Je voulais parler aussi, M. le maire en a parlé un peu tantôt, par rapport à l'abondance de la neige chez nous. Il y a eu des cas particuliers à certains endroits. Je demanderais un peu de tolérance, parce que M. le maire en a parlé tantôt. C'est pas facile quand on a des tempêtes de 50-60 cm de neige dans quelques jours. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a appelé chez moi, puis elle me dit à 7 heures du matin, « Monsieur, vous devriez venir me voir chez moi. » Bien, j'ai dit, « Venez me chercher, parce que moi, ça fait deux jours que je ne peux même pas grouiller de la maison. » Donc, tout le monde était comme ça. Moi, ce que je demanderais, la ville est extrêmement grande, ça coûte extrêmement cher, puis ça prend énormément de temps avant de faire le tour. Il faut que les gens comprennent ça, parce qu'on ne peut pas se séparer en 25 non plus. Donc, le beau temps s'en vient. Je pense que les beaux jours s'en viennent à l'été. On va tout oublier ça, pour avoir commencé en eux l'automne prochain. Je voudrais aussi parler du centre multifonctionnel à Rivière-Nord. Vous savez qu'on est en train de changer le nom de centre multifonctionnel pour celui-là du centre communautaire Elias Dufresne. Les démarches ont été entreprises avec la greffière, Mme Isabelle, et puis ça va partir ces jours-ci. Là, après ça, on va attendre d'avoir des nouveaux développements, puis on va vous faire un suivi sur... On vise toujours de faire l'espèce de soirée, ça va être à peu près autour du en début juin, lors de la fête des... je me rappelle, de la fête de la semaine des municipalités. Il y a aussi le projet récréo-touristique de Rivière-Nord qui regroupe la traverse de Saint-Pierre, l'Anticosti et Rivière-Nord. La Corporation récréo-touristique de Rivière-Nord a mandaté la firme IBI pour l'étude d'opportunité, donc elle est déposée. Ça fait qu'on va attendre plus tard un peu pour faire des suivis là-dessus. Aussi, la Corporation récréo-touristique de Rivière-Nord se réunit régulièrement, tous les semaines, c'est des bénévoles, pour essayer de mener à bien le projet récréo-touristique de Rivière-Nord. Hier aussi, j'ai assisté au déjeuner brunch des chevaliers de colons de Rivière-Nord qui font annuellement chez nous. Au profit des maladies du cœur. Je voudrais féliciter et remercier en même temps les chevaliers de colons pour l'implication qu'ils ont dans leur milieu et tout le travail qu'ils font. À ce que j'ai vu hier, j'ai assisté au déjeuner, il y avait énormément de monde, ça a défilé toute l'après-midi. Merci beaucoup et félicitations à vous autres. Il y a une autre chose aussi, j'ai su cette semaine que cette année, c'est le 100e anniversaire des Cercles des fermières du Québec. Pour souligner cet événement, il y a 650 municipalités au Québec qui ont décidé, ces femmes-là, ces madames-là, de tricoter des bandes qui vont installer sur les bancs de parc, sur les dossiers et les sièges de parc. Je tiens à féliciter ces madames-là qui vont tricoter beaucoup parce qu'il y en a plusieurs bandes dans toutes les municipalités. Vous participez, vous allez participer sans le savoir peut-être à améliorer l'image de nos municipalités. Alors, c'est tout, M. le maire. Merci, M. Coton. Mme Perry, la parole est à vous. Merci, M. le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vous énumère mes principales activités
auxquelles j'ai participé au mois de février, c'est bien sûr qu'il y a eu les rencontres régulières, les rencontres de travail et du conseil municipal. Et de plus, le 5 février, j'ai eu une rencontre avec des représentants du conseil d'administration Berceau du Canada. Le 7 février, j'ai participé à la cérémonie officielle au cours de laquelle le délégué général national pour le Canada du souvenir français a remis des médailles à messieurs Dufresne et Mullen qui ont participé au débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Le 9 février, j'ai eu une rencontre avec des représentants d'Improvisation Gaspé. Le 10 février, j'ai participé également à la rencontre d'information à propos de la construction de 62 logements qui va se faire au cours de l'année 2015-2016. C'est parrainé par l'Office municipal d'habitation de Gaspé. J'en profite pour peut-être passer le message suivant aux personnes qui sont intéressées éventuellement peut-être à obtenir un logement là. Donc, vous pouvez communiquer avec le bureau de l'Office d'habitation de Gaspé au 368-66-44. Le 11 février, il y a eu le comité consultatif d'urbanisme. Le 20 février, il y a eu une rencontre aussi du comité de suivi du CRI, c'est le Centre de ressourcement, de réinsertion et d'intervention. Le 24 février, j'ai également représenté le conseil municipal à la conférence de presse d'improvisation Gaspé qui a été organisée en l'honneur de leur 10e anniversaire. À ce moment-là, ils nous ont dévoilé les événements spéciaux qui sont programmés tout au long de l'année. Et j'en profite également pour vous dire que tous les vendredis soirs, à 20h au café étudiant du Cégep, vous pouvez assister au spectacle. Et spécialement le 6 mars, il y a un spectacle spécial de théâtre d'improvisation avec les joueurs les plus importants de la Ligue d'improvisation, suivi d'un grand bal. Le 24 février, j'ai assisté à l'Assemblée générale du Festival Musique Bout du Monde. Une nouveauté cette année, le festival qui va se dérouler du 5 au 9 août sera précédé d'un pré-festival qui se tiendra du 31 juillet au 4 août. Le 25 février, j'ai également assisté au Forum Santé Jeunesse au Centre communautaire de Douglaston. Et le 26 février, je suis allée au secondaire, au spectacle secondaire en spectacle qui s'est tenu à l'école CE Pouliot. Je voulais en profiter pour féliciter tous les participants et dire aussi ma grande satisfaction par rapport aux gens qui se sont mérités le prix du gagnant. Le 28 mars, il y aura la finale régionale de secondaire en spectacle à l'école CE Pouliot. Avant de terminer, j'aimerais peut-être vous mentionner que le 8 mars, on va souligner la Journée internationale des femmes sous le thème « Femmes en marche pour l'égalité, solidaires contre l'austérité ». On sait que les femmes jouent un rôle important dans notre communauté, autant dans le volet économique, culturel et communautaire. Donc, bonne journée à toutes ces dames de ma communauté et merci pour votre dévouement envers les gens de ma communauté. J'aimerais aussi remercier, on vient de vivre la 13e édition de la Grande Traversée de la Gaspésie, qui s'est terminée le 27 février. Ce fut encore un grand succès. Donc, cette année, c'était plus de 160 skieurs, au-delà de 70 bénévoles, conférenciers et journalistes. J'aimerais donc remercier le comité organisateur et les nombreux bénévoles qui ont permis à la tenue de cet événement. En terminant, également, comme mes collègues, dans le cadre de la semaine de relâche, j'aimerais souhaiter une bonne semaine à tous les étudiants, au personnel enseignant ainsi qu'à nos familles. Merci. Bien, merci beaucoup, Mme Perry. Monsieur O'Connor, la parole est à vous. Oui, Monsieur le maire, merci. Bien là, je vais ouvrir mon micro pour cette fois-ci. Je me fais dire ma remarque que les gens ne m'attendaient pas. Je parlais au côté du micro souvent. Je portais me tourner vers le président de l'Assemblée. Madame, Monsieur, bonsoir. Aussi, je vais être bref, là, au niveau de énumérer mes activités. Bien, il y a eu le 7 février la cérémonie au niveau des remises des médailles. Ça, tout le monde est au courant. Le 10 février, j'ai participé à l'information sur le projet du gros logement, les 62 logements. Le 19 février, on a eu une assemblée en ajournement. Le 21, il y a eu un lac à l'épaule organisé par le manoir de Boutillier et avec les organismes de Lance-Rifon. Je me suis présenté, mais à un moment donné, j'ai dû me retirer. Je n'ai pas pu faire la journée.
Par contre, le 23 février, à Capozzo, il y a une table de concertation avec les gens d'affaires du milieu et en collaboration avec le parc Forillon. M. Stéphane Marchand était présent avec Michel Quentin. Il y a eu plusieurs discussions sur plusieurs dossiers à venir au cours de l'été, des travaux, etc., dans Laurentiel. OK, le 26, il y a eu l'Assemblée de régie des matières résiduelles à Percé. Après ça, bien, c'est pas mal tout au niveau des activités. Je sais qu'en même temps, bien, il y a eu des comités qui ont travaillé durant le mois de février. L'exemple, le comité le CCL de Capozzo, là, il y a eu l'organisation de l'activité Fête des neiges. Là. Ils n'ont pas été chanceux avec la tempête. Par contre, il y a eu une journée là-dessus qui avait de l'allure. Il y a eu le comité des loisirs de Cap-des-Rosiers aussi qui a organisé en fin de semaine un rallye motoneige avec l'après-midi musique au Chalet des sports. C'était bien ben apprécié par les gens. En même temps, ben aussi la semaine de relâche, ben bonne semaine à tous nos étudiants, les enfants, parents, enseignants, etc. La soirée sur la question sur la soirée des jardins, ça a été posé en régie. Les lumières de rue, c'est la même chose. J'avais d'autres choses. Oui, une question que j'ai oubliée puis que j'ai vue tout à l'heure, une demande plutôt au sujet de l'ouverture de la rue de la plage à Capozzo. Ça se faisait par la ville vers le mois d'avril. Là. Puis la demande m'est parvenue encore à la table de concertation, là, qui s'aimeront que ça se ferait le 5 avril pour Pâques. En tout cas, il y a une activité, là. Ça ne doit pas être des kayaks, brise-glace, je pense que non, là, mais il doit y avoir d'autres choses, là, parce qu'ils aimeront que la rue serait déneigée dans cette date-là. Ça fait que... Je vois que notre directeur des travaux publics en a pris bonne note. Oui, il a pris bonne note parce que je l'ai trouvé, je n'ai pas parlé en régie. Parfait. Ça fait que le restant, bien, c'est beau. Journée de la femme, c'est pareil. Bonne journée à tous. Ça fait que ça m'a faim, ça termine. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. le conseiller. M. Kenville, la parole. Monsieur le maire, merci. Citoyen de mon quartier et de la grande ville de Gaspé, je n'énumérerai pas toutes les réunions que je suis allé avec mes confrères, consoeurs. Donc, il y a des points quand même qui sont importants pour moi. La question des patinoires de Wakeham et de Saint-Majoré. Le bâtiment pour Saint-Majoré devrait partir en soumission dans les semaines qui viennent. Donc, j'invite tous les contracteurs en bâtiment à soumissionner dans le secteur. Pour ce qui est de la question des odeurs du lieu d'enfouissement technique, le dossier est présentement à l'étude. Et en cours du mois, nous aurons des développements à ce sujet. Un rappel aux citoyens de la ville et à ceux de mon quartier de bien vouloir se prémunir de bandes réfléchissantes, de lumière ainsi que de vêtements de couleur pour se faire voir des automobilistes. Le beau temps arrive et permet beaucoup d'activités extérieures, donc la marche vélo et course. Alors, prudence, s'il vous plaît. Dans le même sens, les numéros civiques, les pompiers nous demandent, les policiers, de bien vouloir placer à vue votre numéro civique, soit sur vos boîtes à mal ou sur votre résidence, mais c'est important en cas d'urgence. Les prochains mois aussi, il y a des dossiers qui vont revenir, le compostage, les bacs bruns, ce qu'on appelle les bacs bruns, 2015-2016, et l'éco-centre à différents endroits de la ville. C'est des dossiers qui vont nous toucher un peu plus près tout le monde encore, un peu comme les bouts de fosse septique. Donc, c'est des dossiers à venir. Pour la relâche, au Mont-Béchervaise, je parlais du Mont-Béchervaise et des autres activités, piscines et tout. Mais pour la relâche, il y a plein d'activités au Mont-Béchervaise, puis les belles neiges, comme dirait Daniel, notre gérant. Le 7 de mars, une journée d'activité pour la fondation du centre hospitalier, Hôtel Dieu, et son responsable, c'est Igor Nérisson, ceux qui veulent avoir de l'information sur cette activité. Le 15 de mars, c'est la journée de la municipalité. Tout est à demi-prix sur le ski, les glissades en tube et tout. Il y a aussi des compétitions ainsi que des prix de présence. On va participer à cet événement. Course de motoneige. Félicitations à toute l'organisation de la bonne marche de l'événement qui a eu lieu en fin de semaine et de la sécurité ainsi que de la propreté des lieux. Donc, merci beaucoup. Bravo à tous. Le dimanche qui va venir au centre de ski, ça va s'appeler, il y a des dimanches qui vont s'appeler famille, tarif réduit, 48,50 $, que vous soyez 4 dans la famille ou 5, comprenant la remontée et l'équipement. Aussi, pour les fêtes du mois, bien, je tiens à souligner la Journée internationale de la femme, le 8 de mars. Et bonne journée. Et la Sainte-Patrick, le 17 de mars. Bonne fête à tous les Irlandais de la péninsule gaspésienne. Merci beaucoup.
Très bien. Merci beaucoup, M. Quenneville. Madame Mathurin, c'est à vous. Merci. Monsieur le maire, chers collègues et vous tous, bonsoir. Pendant le dernier mois, j'ai assisté aux réunions du Conseil, à la soirée au profit du relais du Lacron, à la conférence de presse pour les retrouvailles de Lancevallo qui auront lieu en juillet prochain et au déjeuner de la Fabrique de Saint-Maurice. Voici des activités à faire en mars. Continuez à utiliser nos patinoires extérieures, les conditions sont idéales. Les randonnées du Sentier international des Appalaches qui ont lieu à tous les samedis. Vous pouvez devenir membre au coût de 10 $ en contactant M. Jean-Marc Hardy au 368-4197. La participation en randonnée est gratuite. Participez en grand nombre aux activités gratuites à l'Aréna de Rivière-Nord pour la semaine de relâche et vous pouvez avoir l'horaire de la programmation en composant le 368-2104, poste 85-70 et pour l'horaire de Gaspé, c'est le poste 85-71. Les déjeuners du carême, les dimanches matins jusqu'au 29 mars, de 8h à 11h30 à l'École Saint-Paul de Saint-Maurice. L'activité de l'association Chasse et pêche pour un cours de port d'armes. Il reste que quelques places. Il faut contacter la boutique Sport plein air au 269-2535. Le spectacle du club de patinage artistique de Rivière-Nord, ayant pour thème les Sylphides, 35 ans, ça se fête en grand, le samedi 21 mars à 19h. La finale de secondaire en spectacle le 28 mars à l'école C.E. Pouliot à 19h30. Je profite de l'occasion pour rappeler aux organismes accrédités de la Ville que la date limite pour faire la demande de subvention pour le volet 2, c'est-à-dire pour les activités qui se dérouleront entre le 1er mai et le 31 août 2015, est le 27 mars à midi. Je vous souhaite également bonne journée à toutes les femmes le 8 mars, bonne semaine de relâche et bon mois de mars à tous. Très bien. Merci beaucoup, Mme Mathurin. Merci, chers collègues. Donc, ça nous amènerait au point 7 de notre ordre du jour, en 7A, les comptes du mois de février 2015. La recommandation, c'est que le Conseil municipal autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières non autrement autorisées au montant de 33 590,51 $, que le Conseil prenne connaissance des dépenses engagées en vertu du règlement 1224-13 sur la délégation de pouvoir pour des activités financières d'1 213 767,96 $ et des activités d'investissement de 993 596,02 $. Un proposeur? Monsieur O'Connor, ça va pour tout le monde? Merci. Le point 8A est rayé de l'ordre du jour. On n'a pas pu être prêt pour ce soir en raison de l'absence de soumissionnaire. En 8B, la conception, fabrication et livraison de matériel graphique dans le cas du dossier de Gaspé Berceau du Canada. Donc, on est allé en appel d'offres auprès de 4 soumissionnaires. On a reçu une soumission conforme qui cadre dans les prix aussi prévus pour ce volet-là. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal accepte le mandat de conception, de fabrication et de livraison de matériel graphique sur le site Berceau du Canada de Concept K pour un bureau, pour un montant, pardon, un montant de 8 995 $ plus taxes, que le montant soit imputé au règlement d'emprunt 1175-12 et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Un proposeur? Monsieur Quenneville, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Donc, peut-être pour les gens qui se posent des questions, ça arrive souvent que ces dossiers-là, ça revient. Mais au fur et à mesure de la construction, ils rendent des factures qui n'ont pas le choix d'être autorisées par le conseil municipal. D'où souvent la répétition des mêmes projets, des mêmes dossiers, mais avec tout le temps des factures différentes ou des éléments différents qui cadrent dans les budgets qui sont déjà préplanifiés. Là. Des fois, les gens pensent qu'on paye en double et en triple les factures, mais c'est pas ça. Là. C'est toujours des affaires différentes. On est vigilant là-dessus. Ça nous amène en 8C, l'ouverture de soumission pour le programme annuel d'entretien et d'essai pour les systèmes avertisseurs d'incendie. Encore là, un appel d'offres, cette fois-ci auprès de 6 fournisseurs. Il y a 2 soumissionnaires qui ont soumissionné. Et la recommandation, c'est d'y aller avec le plus bas soumissionnaire conforme, donc que le conseil municipal octroie le contrat pour l'entretien des systèmes avertisseurs incendie à l'entreprise Protection Garvex Inc. au montant de 4 930 $ plus taxes pour 2015-2016, 5 028,59 $ plus taxes pour 2016-2017 et 5 129,03 $ plus taxes pour 2017-2018, que le montant soit imputable au poste budgétaire 02-220-00-526. Proposeur? Monsieur Coton, ça va pour tout le monde? Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est plus bas que les années précédentes. Donc, ça nous mène en 9.4A,
les points des travaux publics. D'abord, le travaux de remplacement de panneaux électriques à l'usine de traitement des eaux usées de Gaspé. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de la facture pour les travaux de remplacement de panneaux électriques à l'usine de traitement des eaux usées de Gaspé à Steve La Liberté Électrique Inc. au montant de 9 250 $ plus les taxes applicables, que le montant soit imputable à la taxe d'assises et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Proposeur, M. Smith, ça va pour tout le monde? Merci. 9.4B, paiement de facture pour des travaux excédentaires. Concernant le centre de ski, donc un dossier du leg du 475e, des petites surprises en faisant des travaux, de la pourriture qui a été trouvée, donc des petites surprises comme ça. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de la facture de l'entreprise O'Neill Dumaresque Construction Inc. au montant de 2 324 $ et 15 $ plus taxes pour l'ensemble des travaux excédentaires reliés au projet de remplacement d'une partie du revêtement de la couverture ainsi que des portes et fenêtres, et que ce montant soit imputable au règlement 10-60-09 concernant le projet de legs pour le centre de ski. Proposeur, M. Kenville, ça va pour tout le monde? Oui. 9.4C, paiement de facture à la serrurerie La Clé d'Or concernant l'hôtel de ville. Donc, c'est les travaux d'adaptation de l'hôtel de ville pour l'accès aux personnes handicapées. Donc, des travaux qui sont subventionnés par un programme fédéral auquel on a eu accès. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de la facture de la serrurerie La Clé d'Or au montant de 8 972 $ et 90 $ plus les taxes applicables pour l'installation et la mise en marche de 3 ouvre-portes automatiques pour l'hôtel de ville, que ce montant soit imputable au fonds sur l'accessibilité du gouvernement fédéral. Un proposeur. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 9.4D, paiement de facture pour le groupe Voyer Inc. Donc, c'est une pompe du réseau d'égouts de Rivière-Nord qui nous a lâchés. Donc, pour réparer tout ça, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de la facture de groupe Voyer Inc. au montant de 8 068 $ et 40 $ plus taxes pour la réparation d'une pompe dans le réseau d'égouts de Rivière-Nord et que ce montant soit imputable au règlement sur les composantes d'aqueduc et d'égouts numéro 1219-13. Proposeur, M. Coton, ça va pour tout le monde? Merci. En 9.4E, achat de pièces des systèmes de chloration. La recommandation, c'est que le conseil autorise le paiement de la facture de ProVan au montant de 3 936 $ et 10 $ plus taxes pour l'achat de pièces de chloration. Que ce montant soit imputable au règlement sur les composantes d'aqueduc et d'égout 1219-13. Un proposeur? M. Coton, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. 9.5A. Contribution financière 2015 au transport adapté et collectif de la côte de Gaspé Inc. Donc, à chaque année, la municipalité doit faire une contribution pour le service de transport adapté. C'est prévu au budget, donc c'est pour autoriser le déboursé de ce qu'on avait déjà budgété. La recommandation, c'est que la Ville de Gaspé confirme sa participation financière au transport adapté et collectif de la côte de Gaspé pour l'année 2015 pour une somme s'élevant à 64 647 $, que cette somme soit imputée au code budgétaire 02-370-00-962. Proposeur, Mme Perry propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. 9.5B, entente de prescription avec les pêcheries marinières. Donc, c'est un renouvellement d'entente vu le changement de propriétaire, d'une partie des propriétaires de l'usine. Là. Donc, la recommandation, c'est que la Ville de Gaspé confirme son consentement à la transaction d'acquisition de 50% des actions de l'entreprise des pêcheries marinières limitées par 93-13-86-26 Québec Inc. et confirme également qu'elle maintient en vigueur l'entente de remboursement signée en décembre 2010. Un proposeur? Bonjour. M. Coton, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. 9.5C, acceptation de la proposition de la MRC du Rocher Percé pour le traitement des boues de fosses septiques. Donc, un dossier qu'on parlait en préambule plus tôt ce soir. Donc, la recommandation, c'est que la Ville de Gaspé accepte les termes de la proposition de la MRC du Rocher Percé datée du 12 février 2015 relativement à la disposition et au traitement des boues de fosses septiques au coût de 30 $ du mètre cube pour l'année 2015, que la dépense soit imputée au code budgétaire 02-451-00-446 et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis, si tel est le cas. Proposeur, M. Kenville, ça va pour tout le monde? Merci. 9.5D, donc peut-être pour préciser, là, le montant qu'on vient de parler là, c'est inclus dans toutes les estimations dont on a parlé un peu plus tôt ce soir, puis les informations qu'on véhicule depuis les derniers jours. Là. Donc, ces coûts-là étaient inclus. 9.5D, c'est un point qui est remis de l'autre jour, tout simplement, donc remis à une séance ultérieure.
en 9.6, service juridique et greffe avérien, 9.7, direction générale, 9.7A, autorisation de signature pour un addenda au protocole d'entente de Métro-Québec Immobilier Inc. Donc, c'est dans le dossier d'implantation du Super C, où il y avait une entente entre la ville et Super C concernant la route, l'aqueduc, l'égout, les feux de circulation, etc. Donc, on arrive là à la fin, pas mal à la fin des travaux. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer l'addenda au protocole d'entente soumis entre la ville de Gaspé et Métro-Québec Immobilier Inc. relativement à l'implantation d'un supermarché sur son territoire. Proposant, c'est M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 9.7B, la collecte et le transport des matières résiduelles 2015-2016, une demande qu'on adresse au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Donc, au fond, l'objectif est de s'arrimer avec la MRC du Rocher-Percé, avec laquelle on est en partenariat au niveau d'une régie intermunicipale. Donc, on veut que nos contrats de collecte nos collectes de matières résiduelles finissent en même temps. Pour ce faire, on devrait prolonger le contrat actuel d'une année pour finir en même temps que Rocher-Percé pour regarder la possibilité de faire un appel d'offres commun. L'objectif est évidemment d'économiser. On prend pour acquis pour l'instant, on va l'étudier comme il faut avant, là. On prend pour acquis pour l'instant que si on soumissionne pour un plus grand territoire, pour plus de résidences et tout ça, on risque peut-être d'avoir un meilleur prix global. Donc, c'est l'objectif présentement. Et pour ce faire, il faut demander une permission au ministère des Affaires municipales. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal octroie le contrat de collecte et de transport des matières résiduelles pour la période du 1er octobre 2015 au 25 septembre 2016 à Bouffard Sanitaire Inc., aux mêmes conditions que le contrat présentement en vigueur et au montant estimé de 546 307,08 $ plus les taxes applicables. Que le tout soit conditionnel à l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, conformément à l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes. Que la dépense autorisée soit imputée au code budgétaire 02-451-10-446, 02-453-00-446, 02-414-00-446 et 02-414-10-446, et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Une proposition? Monsieur O'Connor a proposé en premier. Ça va pour tout le monde? Merci. La prochaine, on vous la garde, M. Canville. 9.7C. Attribution de postes de lieutenant à la caserne de Rosebridge et de deux postes de lieutenant à la caserne de Gaspé. Donc, la recommandation, c'est que le conseil nomme à titre de lieutenant à temps partiel pour la caserne de Rosebridge, M. Jean-Marc Lemieux. Que le conseil nomme à titre de lieutenant à temps partiel pour la caserne de Gaspé, Mme Linda Ferguson et M. Ryan Sinnott. Et que ces derniers s'engagent à suivre le cours officier 1 dans les délais prescrits par le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal. Monsieur Kenville a proposé, bien, on propose en bloc. Donc, ça va pour tout le monde? Oui. Je vous remercie. Ce qui nous mène aux affaires nouvelles, donc en 13A, acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 et date de l'Assemblée de consultation pour le premier projet 1156-11-18. Madame la greffière. Règlement 1156-11, si après décrit, soit accepté. Règlement amendant le règlement de zonage 1156-11 en modifiant les usages autorisés dans la zone RT-127 afin de ne pas assujettir l'usage établissement où l'on sert à boire, boissons alcooliques et activités diverses au règlement sur les usages conditionnels numéro 1172-12. En modifiant les usages autorisés dans la zone RT-127 afin de permettre la classe d'usage débit de boissons. En modifiant les usages autorisés dans la zone RT-127 afin de permettre la classe d'usage restauration. En modifiant les usages autorisés dans la zone RT-127 afin de permettre spécifiquement l'usage autre lieu d'assemblée pour les loisirs. En modifiant le deuxième paragraphe de l'article 3.2.9, classe débit de boissons, afin d'ajouter spécifiquement l'usage microbrasserie dans la zone RT-127. En agrandissant la zone P-272 à même une partie de la zone HF-268 et en modifiant les usages permis dans la zone IC-297 afin d'y permettre spécifiquement les usages reliés à la culture et à la transformation des produits de la mariculture et que l'Assemblée de consultation soit tenue à l'Hôtel de Ville le 7 avril 2015 à 16 h.
parfait. Peut-être pour vulgariser tout ça, pour que ce soit plus simple pour tout le monde, là, ça concerne le dossier de la foresterie dans le secteur là, du portail de Saint-Majorique à Rivière-Nord. Ça concerne le secteur où se trouve Griffon Aventure à Lens-sous-Griffon aussi. Ça concerne également, il y avait quelque chose concernant le secteur où se trouve le manoir Saint-Augustin, puis un autre volet qui concerne le parc industriel de Sandy Beach pour le volet mariculture dans ce secteur-là. Tous les détails de ce projet de règlement-là, on comprend, il concerne quatre zones complètement distinctes, puis quatre dossiers complètement distincts, mais tous les détails pourront être connus en assemblée de consultation le 7 avril prochain à 16h à l'Hôtel de Ville pour tous les gens qui auraient des préoccupations par rapport à ces quatre éléments-là. Donc, voilà. Puis pour tout détail, de toute façon, le service d'urbanisme est toujours à votre disposition pour ces détails-là. Donc, voilà. Ça me prenait un proposeur, pardon, pour le 13A. C'était M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Donc, c'est le premier volet et le dossier va revenir dans une prochaine séance. En 13B, un avis de motion, Mme la greffière? L'un des conseillers donne avis qu'il sera présenté à une prochaine séance de ce conseil un règlement décrétant l'acquisition de véhicules et un emprunt de 640 000 $. Qui donne avis de motion? Je donne avis. Monsieur Kenville, ça va pour tout le monde? Oui. En 13C, un autre avis de motion, Mme la greffière. L'un des conseillers donne avis qu'il sera présenté à une prochaine séance de ce conseil un règlement décrétant l'acquisition de véhicules et un emprunt de 900 000 $. Monsieur Kenville en a fait la proposition, ça va pour tout le monde? Parfait. Donc, on arrive en fin de séance à la deuxième période de questions du public, des questions qui doivent porter sur les sujets inscrits à l'ordre du jour, comme on l'a dit en début de séance. La durée de cette deuxième période de questions-là est d'un maximum de 10 minutes. Chaque intervenant doit s'identifier, puis on limite le droit de parole à 5 minutes par intervenant. Donc, la séance est ouverte. Bonsoir. Citoyenne, c'est majoré. Concernant les fosses septiques, vous dites qu'il y a un règlement provincial qui oblige ça à tous les deux ans. Là. Mais avec toutes les coupures qu'il y a, pis ça, là, je pense pas qu'ils vont venir vérifier chez nous tous les deux ans, là, voir si ma fosse est pleine de marde, moi. Puis, s'ils viennent chez nous, ben j'ai un puits de pétrole en arrière de chez nous qui appartenait avant ça à Sopip. Il sera bien mieux de venir vérifier ça avant. Deuxièmement, j'aimerais ça savoir le pourcentage des citoyens qui ont fait des plaintes justement pour qu'on accepte cette proposition-là. Okay. Vis-à-vis le nombre de le pourcentage des citoyens qui sont au courant de cette proposition-là. OK, c'est votre question. OK. Ben, pour les deux volets, premier volet de la question, à savoir s'il y a des inspecteurs qui peuvent débarquer demain matin. Honnêtement, on n'a jamais vu ça. Par contre, quand il y a un règlement, c'est notre devoir de citoyen de le respecter. Et dans ce cas-là, honnêtement, personnellement, je ne l'ai pas nécessairement vu, le règlement lu mot à mot, mais il semble-t-il qu'il existe. En tout cas, il est bien véhiculé par le ministère de l'Environnement. Donc, le règlement, il est là pour être respecté par les citoyens, premièrement. Sur le nombre de plaintes, j'ai pas le chiffre exact. Moi, personnellement, je me suis fait aborder, ça fait un an que je suis là, je me suis fait aborder minimalement par 4-5 personnes, personnellement, puis honnêtement, et c'est rare les citoyens qui vont m'aborder sur des dossiers très pointus comme ça. Je sais que c'était le cas, puis avec l'ancien conseil aussi, là, en fait, ça avait commencé à être étudié par l'ancien conseil. Vous dire que sur les 3500 résidences qui ne sont pas desservies par l'égout, qu'il y en a une majorité qui nous ont consulté ou qui nous ont fait des commentaires là-dessus, ce serait vous mentir, c'est pas une majorité de citoyens. Les citoyens doivent se compter par peut-être quelques dizaines tout au plus. Cependant, les problématiques qui nous étaient mentionnées étaient suffisamment importante pour qu'on s'y intéresse. Puis on a consulté, chaque personne a consulté un peu autour de lui aussi dans leur entourage, qu'est-ce qu'il en pensait. Puis on est arrivé avec cette solution-là, tout simplement. Mais on n'a pas eu de consultation à large. Moi, personnellement, je sais que la majorité du monde à qui j'ai parlé, là, soit qu'ils n'étaient pas au courant ou bien donc ils sont tout à fait contre ça. Là. En tout cas, je ferais rien que vous dire ça. Puis troisièmement, concernant les prix que tu parles, tu dis que, grosso modo, ça devrait être autour de 2 ans, tous les 2 ans, mais que vous allez charger plus cher en partant pour enflouer les coffres. Pas nécessairement. Je vais être plus clair là-dessus. C'est vrai que je n'ai pas été si clair que ça sur ce volet-là. En fait, les calculs qu'on fait en se gardant une marge d'imprévu, là, on arrive à 200 quelques dollars par fosse. Cependant, on veut rien qu'être sûr qu'il ne manque pas de sous en cours de processus. Des fois, il arriverait des imprévus supplémentaires à toute la marge d'imprévu qu'on s'est prévu. Mais ça va dans un fonds qui sert uniquement à cette fin-là. Par exemple, si on arrive à la troisième année puis on se rend compte que, bon, on a surtarifé durant les deux premières années notre cours. On
s'est doté d'un coussin qui est trop gros, puis dans le fond, il n'y avait pas tant d'imprévus que ça, bien évidemment, on va réduire le tarif à ce moment-là pour justement éviter que les citoyens payent trop. Parce que ces sous-là vont dans un fonds spécial pour le dossier des bouts de faux sceptiques. Ça ne tombe pas dans un dossier d'ensemble. Comme le tarif d'aqueduc et d'égout va dans une enveloppe spéciale pour l'aqueduc et l'égout, celui-là va être dans une enveloppe spéciale pour ça. Fait que si jamais il y a des années qu'on surtarife, on a la possibilité de diminuer le tarif les années suivantes. Mais si, par exemple, il y a un problème si on tarife trop bas, si on sous-tarife le service, à ce moment-là, s'il manque des sous dans le coffre, c'est là qu'on va être en problème. Fait que pour l'instant, on a pris une décision conservatrice parce qu'il y a peut-être des impondérables qu'on ne connaîtra pas à court terme malgré que tous les calculs ont été faits. Puis c'est pour ça qu'on arrivait, on se dit on va demander 250 $ par fosse, donc 125 $ par année pour les deux premières années. Si on arrive à la troisième année, on se rend compte qu'on a 400 000 $ dans un coffre, dans ce coffre-là, bien évidemment, on va ajuster le tarif en conséquence pour que le citoyen paye le juste prix. Dans le fond, c'est pas une taxe, c'est un tarif, puis le tarif doit servir au service en particulier. Mais ça, on met ça dans une case à part. Mais on présume que en demandant 250 $ par fosse, on est déjà au-dessus du coût réel assumé que doit assumer la municipalité pour faire le service. Donc, on présume déjà que dans deux ans, on va être en mesure, normalement, si tout va comme prévu, de diminuer le tarif pour les citoyens déjà. Et là, tu présumes, dans le fond, ça veut dire que tu penses renflouer les coffres, mais si jamais que ça coûte plus cher, donc les taxes vont monter encore pour ça. Bien, si jamais il y a des gros imprévus ou si jamais vraiment on est carrément dans le champ dans nos calculs, bien, soit qu'on va, on va trouver une autre solution, mais honnêtement, ce serait bien surprenant. Il peut pas y avoir 12 millions d'imprévus dans ce type de dossier-là. On sait déjà exactement vers quoi on s'en va. On a regardé ce qui se faisait ailleurs dans d'autres municipalités. Honnêtement, on est pas mal blindé dans ce dossier-là. Puis les tarifs avec lesquels on arrive, c'est les bons tarifs. En fait, peut-être un peu au-dessus de si on était pas conservateur pendant tout en termes de gestion, là. Mais en étant conservateur, on arrive à un tarif qui est juste, puis qui nous permettra pas de devoir retourner dans les poches des citoyens pour retarifier davantage. On va être juste comme il faut. Si on se rend compte, comme je le disais, le but n'est pas de renflouer des coffres, je vous dis, c'est une enveloppe carrément à part. Mais si on se rend compte qu'après un an ou deux ans ou trois ans, que le tarif est un peu trop élevé, bien, on le diminuera à ce moment-là pour arriver à quelque chose de kiff-kiff. Le but, c'est pas de renflouer des coffres ou quoi que ce soit, c'est d'offrir le service exactement au prix que ça coûte. Ça veut dire, dans le fond, tu sais pas vraiment comment ça va coûter. Bien, les estimations sont entre 200 et 250 $. Dans le pire des scénarios, c'est 250. On est plus aux alentours de 200 par fosse. Donc, on va être plus aux alentours, normalement, si tout va bien. Puis, tu sais, honnêtement, on n'a pas l'expérience la plus absolue là-dedans. Puis, ça peut arriver des imprévus. Fait que pour se baquer, être le plus solide possible, on arrivait à 250 la fosse. Mais on sait qu'autour de 220, ça peut se faire. Mais on veut être bien sûr de nos affaires puis pas être obligé de leur piger dans les poches des contribuables en cours d'année. C'est pour ça qu'on arrive avec... On voulait juste gérer de façon conservatrice, on arrive avec ça. Mais le tarif exact, précis, on n'a pas de marge de profit là-dedans. Nous autres, là, il faut arriver kiff-kiff entre le service offert puis le tarif qu'on demande. C'est toujours difficile, étant donné qu'on embarque dans le dossier, mais de façon conservatrice, on sait qu'en demandant 250 la fosse, on est très conservateur, puis on va être correct. On va être correct avec ça, puis quitte à le diminuer dans les années à venir. C'est beau. Moi, en tout cas, je compte ça. C'est votre opinion. Je le respecte. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur les sujets qui étaient à l'ordre du jour ce soir? Oui? Oui, bonjour. Kevin Plante, président de Plante VQM Transport. Employeur, comme vous pouvez le voir, de plusieurs contribuables localisés à Gaspé, ainsi que payeur de taxes en tant qu'entreprise depuis 30 années d'échéance. Moi, je me demandais, au niveau de ce projet-là, est-ce que la Ville va s'initier à être ingérant ou à s'impliquer au niveau de tous les services publics qui sont offerts, mais qui ne sont pas déterminés, le tarif, par la municipalité de Gaspé? OK, je vous dirais... Si on peut mentionner juste, par exemple, soit la restauration ou l'hébergement ou quoi que ce soit, est-ce que la Ville va s'ingérer dans les coûts que ces entrepreneurs privés-là chargent, étant donné qu'ils ne sont pas déterminés par eux? C'est ce que je me demande. Non, on n'est pas le bon Dieu tout-puissant là-dedans non plus. Bien, c'est un peu la situation où vous par contre, dans le dossier que vous nous mentionnez, il y a quand même déjà 60 % des municipalités du Québec qui offrent par elles-mêmes ce service-là. Donc, c'est un service qui est considéré comme étant possiblement municipal. Mais qui sont redistribués ou retournés à des soumissionnaires offrant ce service et non pas assumé par leur municipalité. Pas dans tous les cas. Je n'ai pas le pourcentage exact. Mais c'est pas 60 %.
Au total, c'est 60 % des municipalités. En tout cas, c'est les chiffres du ministère de l'Affaires municipales. Qui font une gestion via le compte de taxes des vidanges de faux septiques. Moi, c'est ce que j'ai comme information, qui font une gestion, justement, via les comptes de taxes. Mais qui vont à soumission pour l'exécution des travaux. Pour certaines, c'est ça. Pour certaines autres, c'est la municipalité elle-même qui offre le service. Mais je n'ai pas exactement le nombre de municipalités pour chacun des cas. Non, ce n'est pas le nombre que je veux. C'est simplement à savoir si... Mais les deux scénarios existent, effectivement. Des scénarios privés, nous, on l'a essayé. Okay. Ça n'a pas donné le résultat escompté. Et c'est pour ça qu'on y va avec un scénario privé. Étant présent, moi, à l'ouverture des plis pour les soumissions, je comprends pas pourquoi vous parlez toujours, ce soit devant les médias ou présentement ce soir, que vous parlez toujours entre 200 et 250, quand vous savez très bien que vous imposez une taxe supplémentaire de 125 $ par année. Donc, on ne se situe pas entre 200 et 250, on se situe à 250. On tarife à 250 présentement, mais okay. On sait que le coût du service devrait être en bas de 250, et c'est pourquoi on va s'ajuster dans les prochaines années. Et pour le conseil ici présent, pour vous, un accord de 50 $ la fausse sceptique, c'est irrecevable et irresponsable? J'irais pas à dire ça. Honnêtement, c'est difficile, dans une première année d'implantation, d'arriver à la pièce près au tarif exact qu'on doit facturer. C'est pour ça qu'on a pris vraiment l'écart le plus grand pour pas être obligé de retourner dans la poche des contribuables. L'écart le plus grand est de 74 $. L'écart le plus minime au niveau de l'ouverture des plis serait de 50 $. Bien, en fait... Ça justifie votre décision présentement? Bien, en fait, le minimum que nous, on peut arriver, lorsque là, on peut jouer avec les chiffres facilement, là, si je vous dis que c'est à 200 $, mettons que je vous dirais que c'est à 200 $, l'écart que vous me parlez est plus de 124 $ la fausse. Il commence à être assez intéressant. Et, comment vous dites? Mais si moi, je vous dis entre 200 et 250, c'est sûr que la première année, on y va comme si c'était à 250, on va s'ajuster. Donc, vous supposez que ça va on être... On suppose que ça va être comme si c'était 250 $. Alors, je vous dis, on suppose comme si c'était à 250 $ la fausse, mais c'est comme le maximum auquel on peut arriver. Mais toujours une supposition. C'est une supposition. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est difficile d'arriver avec le chiffre précis. Mais vous appropriez un secteur d'activité sur des suppositions? Bien, en fait, sur des suppositions. On a fait les calculs nécessaires, puis on arrive On peut tous nettement. Ici présent faire des calculs nécessaires. Bien, effectivement. Vous n'avez jamais parlé des frais de disposition qu'allait verser une MRC autre que la nôtre? Bien, pour le début, oui, mais après ça, on se dote de notre propre site. OK, c'est ça. Mais ça, les frais ne sont pas mentionnés. Là. Oui, c'est inclus là-dedans. Tout est inclus. C'est inclus. La formation d'un nouveau centre de traitement. L'achat des camions, le traitement via l'emploi des employés supplémentaires, la réouverture de la convention collective. Tout est inclus. Pour tout entre inclus. 200 et 250. Exact. 200, c'est comme le minimum. C'est clair que si on était un peu cow-boy, on demanderait 200, puis on demanderait une surtaxe de 15 $ en cours d'année aux citoyens. Là. Bon, on ne s'amusera pas à leur demander des surtaxes. En fait, ce n'est pas une taxe, c'est un tarif. Le tarif pour un service. On va utiliser les bons mots, là, parce que je ne veux pas me faire taxer d'utiliser des mauvais mots. Là. Le bon mot, c'est un tarif pour un service. L'objectif n'est pas d'arriver avec un surcoût ou quoi que ce soit, je le répète, mais même en incluant tous les coûts. La disposition présentement via l'entente avec la MRC de Rocher-Percé, la location de camions de façon temporaire et ensuite l'achat de camions, l'installation d'un nouveau site, les employés supplémentaires, l'essence, les assurances, name it, là, tout est inclus, puis on arrive avec le maximum de 250 $ la fausse, c'est le maximum. Et comment vous avez pu justement attribuer un tarif de 125 $ annuellement? Quand vous dites que votre tarif global est basé sur des suppositions? Bien, les calculs sont faits, mais honnêtement, on n'est pas capable de tout prévoir, tous les imprévus reliés aux premières années d'opération. Rendu à l'année 3, il n'y en aura plus de méga imprévus. On va des imprévus de base, là, honnêtement. S'il faut acheter deux pneus de plus, on va y prévoir. Là. Mais honnêtement, c'est pour l'implantation de quelque chose de nouveau pour nous, c'est clair qu'il faut se garder une petite marge de manœuvre. On n'a pas le choix, on est des gestionnaires responsables. Là. On fait ce qu'on peut. Puis honnêtement, je vous dirais, je comprends pourquoi vous êtes là à soi, puis je comprends que des décisions qui ne font pas l'affaire puis de vous, puis je comprends l'impact que ça a sur votre entreprise. C'est pas question de faire l'affaire ou pas, c'est question que là, présentement, on évolue avec une municipalité qui joue le rôle d'une entreprise privée concurrente aux services présentement offerts dans la municipalité de Gaspé. C'est un peu ce qui est difficile, je vous dirais, à assumer, oui, c'est un peu ça. Quand le service a déjà offert, qui a déjà été déterminé puis prouvé pendant 30 années, exact. C'est un petit peu dur, oui, d'imaginer une municipalité qui va à l'encontre de ses entrepreneurs privés. Oui, c'est un petit peu dur. Ben, je comprends. On est allé en processus d'appel d'offres pour laisser la chance au gouvernement. Que vous avez renié sur des suppositions. Non, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous dites que vous supposez un prix, mais que vous n'en êtes pas assuré. Bien, c'est toujours difficile d'en être sûr à 100 %. Je veux dire, c'est la même affaire pour n'importe qui. Là. C'est difficile d'arriver à 100 % sûr du prix exact à la scène près. Là. Ce qu'on se dit, c'est que
on a calculé tous les imprévus possibles, puis on se dit, une bad luck que ça tourne vraiment pas. Une bad luck avait certaines affaires qu'on n'avait pas pensées, ce qui serait surprenant parce qu'on a regardé vraiment partout ailleurs comment ça se faisait. On se garde un petit coussin la première, probablement la deuxième année pour l'implantation. Par contre, notre but, c'est pas de faire du profit avec ça, là, aucunement. Là, c'est un tarif qui sert pour un service. Donc, il faut que ça arrive kiff-kiff. Fait que ça va arriver kiff-kiff à la deuxième, à la troisième, à la quatrième année. Quand on va avoir l'expérience nécessaire, on va savoir exactement le coût nécessaire que ça prend. D'accord. Ça va? Je vous remercie. Puis honnêtement, je vous comprends beaucoup. Là. Je sympathise avec ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui? Arthur Dumas, ça fait bonjour. 15 ans que je travaille chez Plante d'Aquium. Oui. Vous dites, votre calcul, on dit pour les fosses septiques, il y a des fosses septiques, mais il y a des puissards. Il y a beaucoup de puissards. Prends Cabiais-Rosier, ce coin-là, même Lyon-Nord, Saint-Narcisse. Bien, les puissards, c'est une boîte de surprise. OK? Oui. Si vous calculez une fosse septique, après quoi? 3 mètres? 3 mètres cubes, une fosse. Mais un puissard, si j'arrive et je remplis le camion d'un puissard, ça coûte cher. Ça peut arriver. Avez-vous pensé à ça? Oui. En fait, on s'est prévu des imprévus dans ce sens-là aussi, parce qu'on sait que ce n'est pas toutes les installations qui sont parfaitement conformes avec des fosses septiques conformes. Puis en fait, on a prévu aussi les cas exceptionnels au niveau des fosses à vidange totales. On a tout prévu ça. Il y a des cas qu'on sait que, exemple, qui rejettent direct dans l'environnement, bien, eux autres, on ne les touchera pas. Ils sont tarifés quand même, par exemple, parce que le service est offert, mais s'ils ne sont carrément pas conformes puis qu'ils déversent en bas du cap directement sans filtration ou quoi que ce soit, c'est clair qu'on ne les remontera pas, là. Mais ils n'ont pas le choix de les tarifer quand même. Mais les puissants, qui sont dotés d'une cheminée, par exemple, auxquelles on a accès pour aller vidanger, ces gens-là, on va les faire. Puis oui, ça fait partie du calcul des imprévus. Puis lui qui va faire vidanger, je ne sais pas, moi, 1500 gallons, puis l'autre va faire vidanger 750. Puis un autre va faire vidanger, il y en a des petites tanks 200 gallons. Ouais. Il va payer le même prix. Tout le monde paye le même prix. C'est le même principe que celui qui met un bac à vidange bien plein au chemin ou lui qui le met vide, il paye le même prix. C'est le même principe. Puis le système, vous allez utiliser le système Juddler? Je crois que oui, pour Radco. C'est pour les deux camions ou? Pour un camion, c'est un Juddler? Oui. OK. Parce que comme c'est là, le Juddler, là, il est minime partie qu'il peut ramasser, là, parce que les fosses ne sont pas faites aux 2 ans. OK. Peut-être dans 4 ans, ça va être pas pire. OK. Et là, un Juddler, là, il prend quasiment pas d'eau. Là. OK. Il ramasse juste du solide. Fait que c'est beaucoup plus de boue, là, encore là. OK. C'est un autre imprévu. C'est un autre imprévu. Mais honnêtement, c'est pas nécessairement notre imprévu. Ça, je pense que ça a été compté. Ce sera pas pour nous un imprévu. Ça a été compté, ces situations-là. Je vois mon directeur des travaux publics qui opine dans le même sens. Là. C'est effectivement. Ça fait partie des calculs de base, des calculs normaux. Effectivement. Parce que plus tard, vous allez avoir du fun avec les Juddler dans plus tard. Ça peut arriver qu'on ait du fun avec certains cas particuliers, comme vous le dites, pour utiliser votre expression. Ouais. C'est possible, mais honnêtement, on se garde tout le temps de marge de manœuvre pour ces cas spéciaux-là. Mais là, de façon récurrente aux 2 ans, on présume qu'à un moment donné, tout va être de plus en plus régulier et il va y avoir de moins en moins d'imprévus de ce type-là aussi au fil des années, de façon régulière. Là. Bon. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je n'en vois plus. Ça me prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Monsieur O'Connor, ça va? Merci, mesdames, messieurs. À une prochaine.